rentrer dans le vif du sujet et donc on va se poser une question. Qu'est-ce que Google Ads Oui c'est quoi Google Ads bah Peut-être le mieux ça de lui demander. Hein. On va demander à Google. Ok Google, c'est quoi Google Ads Faites-vous connaître auprès des clients qui souhaitent trouver des entreprises comme la vôtre via la recherche Google et sur Maps. Vous payez en fonction des résultats. Ok, donc le résultat, c'est hyper important sur Google Ads. L'idée, c'est qu'en fonction de ce qui se passe, vous allez payer en fonction de l'interaction, Et donc, ça peut être un ça. clic, un coût par mille impressions, un coût par acquisition et un coût par vue. Ou un coût par vue. Et on, comme on le voit pour le CPA et le CPC, par exemple, chaque clic va déclencher une dépense. Donc, tout dépendra des enchères du moment. Et les enchères, faut un petit peu savoir ce que c'est aussi. En tout cas, quelle en est la définition que Google en fait sur Google Ads Offre d'une somme supérieure à la mise à prix ou aux offres précédentes dans une vente au plus offrant. Donc c'est hyper important de rappeler ça. En fait, en début de conférence, c'est vraiment le plus offrant qui intéresse Google. Et donc c'est le but de l'enchère, c'est capter le plus euh, d'argent en tout cas ou essayer d'avoir le meilleur prix pour ce qu'il a à offrir. C'est ça. Donc deux, deux principes qu'on garde en, en tête. Qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser Et le but d'une vente aux enchères n'est-il pas que le produit soit le plus cher possible, justement on va un petit peu voir comment ça se passe derrière. Et donc, Google ouais. met en place des bonnes pratiques, en fait, des conseils et des manières de montrer ces conseils. Et on va les parcourir en fait, ensemble pour que vous puissiez voir qu'il euh, ben voilà, faut un peu euh, observer tout ça et analyser ce qui donne comme conseil. C'est ça. Donc, il y a cinq moyens vraiment principaux qu'on a isolés euh, que Google utilise pour nous parler, en fait, pour nous conseiller et nous orienter. Euh, il y a évidemment le Google Support c'est des pages d'aide. On a tous déjà été dessus, je pense, ceux qui utilisent Google Ads. Euh, et donc l'approche, c'est vraiment dire, on est là pour vous aider, on va résoudre vos problèmes, euh, on va monter une échelle pour vous, et grâce à nous, vous allez aller plus loin, plus haut, plus fort, etc. Alors on a, on a un autre moyen en fait mis en place par Google. Ça s'appelle les recommandations. Donc quand vous êtes dans l'outil Google Ads, ça se trouve en haut à gauche. C'est très euh, visible en fait. On ne peut pas les rater. Et donc ça va être des conseils, euh, voilà, pour vous aider à améliorer votre compte en fait, avec un système de scoring. Et on va voir en fait quelles sont les améliorations, quel est votre score. Et comment vous pouvez améliorer votre, vos annonces en fait, et votre visibilité. C'est ça, donc ici l'approche c'est vraiment dire on analyse votre compte de manière personnalisée, si c'est un robot qui le fait, donc il analyse toute une série de critères et il va sortir ce qu'il estime être les meilleures recommandations pour vous. On verra un petit peu dans le détail si ça se vérifie, si ça se vérifie ou pas. Ensuite, on a euh, le fameux Skill Shop, donc c'est euh, un peu le module de formation euh, de Google à travers lequel on peut apprendre à utiliser les différentes plateformes, notamment les plateformes de publicité. Ici, on a l'exemple des vidéos sur Google Ads. Et donc, l'approche là, c'est vraiment dire, bah, finalement, vous pouvez apprendre à utiliser Google Ads comme on apprend la poterie via un tuto sur YouTube. Et alors, une nouvelle manière de faire aussi, ça va être les consultants Google. Donc, si vous êtes client, ils pourraient éventuellement vous appeler, sauf si l'agence a indiqué un contact de l'agence. En fait, Donc, ils vont plutôt contacter l'agence. Mais ces consultants Google, en fait, ils vous appellent, ils vous donnent des conseils et ils vont notamment vous mettre en place, enfin, vous conseiller très fortement certaines pratiques. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ou, ou quelqu'un a déjà eu affaire à des consultants ou à leurs sous-traitants de ouais. chez Google. Pardon <laughs> ouais. Effectivement. Voilà. Alors de bah, temps en temps, on accepte d'avoir un coup de fil avec eux parce que du coup, bah, bah. on veut voir s'il n'y a pas des nouveautés donc qu'on n'aurait pas vu passer. Mais effectivement, ils sont assez assistants. Ils sont assez assistants et ils prennent finalement bah, tout ce qu'on peut voir dans les autres médias qu'on a cités juste avant. Hein. Donc ils mettent en avant euh, l'optimisation des campagnes grâce au machine learning ou par exemple l'utilisation de Google Search Partner Network. Donc c'est toute une série de critères qu'on leur donne et euh, ils vont analyser notre compte sur cette base-là, évidemment avec une approche un petit peu plus humaine que ne le ferait les recommandations euh, qu'on a montrées plus tôt. Au sein de Google Ads. Ce qu'il faut ajouter, donc là, le document que vous voyez, c'est un document reçu par un consultant lui-même, en fait, ça. qui permet de, de vous conseiller, justement, rapidement. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour passer sur chaque compte. Ils vont vous faire croire peut-être que. Mm. Mais voilà, c'est un truc qui se fait automatiquement pour lui aussi, qui ça. va parcourir très rapidement durant un call avec vous. J'ai déjà eu quelqu'un, d'ailleurs, qui, en direct, découvrait le compte sur lequel il était censé me donner des conseils. Et donc, au téléphone, il était en train de découvrir de quoi parlait mon compte. C'est assez amusant. Et le dernier, l'email. Donc effectivement, la, dernière bonne, enfin, la manière de faire pour apporter les bonnes pratiques, ce sont des emails en fait, qui sont envoyés automatiquement au compte. Et là, carrément, il va nous dire en fait, que des suggestions d'annonces vont être appliquées automatiquement le 27 du 9. Donc si vous ne faites rien, votre compte va avoir des annonces qui seront suggérées automatiquement. Et on va voir plus loin ce que ça donne ces annonces. C'est ça, avec toujours la même promesse. On améliore la performance de votre annonce. On est là pour vous aider, etc. etc. Alors... Quelles sont les bonnes pratiques finalement Est-ce qu'on peut juste les appliquer, dormir tranquille et s'assurer que bah, du coup tout va bien parce qu'on a suivi vraiment tous les conseils euh, du, du vendeur finalement du produit qu'on utilise, euh, Google Ads Et donc là on a vraiment mis des tests en place pour vous oui. montrer en fait ce qui fonctionne, comment ça fonctionne ou pas. C'est ça, donc il y a une série de bonnes pratiques, il y en a six, j'espère qu'on aura le temps de les voir toutes, euh, qu'on a isolées et qu'on a analysées et testées pour vous. Vous allez un petit peu voir euh, que. C'est parfois fort amusant. Petit rappel sur euh, les différents médias, quand on ressent un peu tout ça, via euh, différentes directions, on, on se sent de plus en plus obligé de le faire. C'est vraiment leur stratégie euh, de communication euh, actuellement. Alors donc, euh, le premier, en fait, c'est la stratégie d'enchères automatisée, euh, Ils en parlent tous. Donc c'est le fameux CPA en fait. Euh, ils ont fait vraiment la promotion de ce truc. Ça vient de changer de nom. Maintenant c'est maximiser les conversions CPA c est, c est une, une option en, en paramètres en ouais. fait. Et donc le CPA c'est quoi Juste si vous ne savez pas, c'est qu'il vous propose d'utiliser en fait l'algorithme pour améliorer vos campagnes. Donc l'idée c'est de dire, bah, ok c'est devenu super compliqué, il y a plein de critères. Donc avec le CPA vous avez plus besoin en fait de jouer avec ces critères et on va voir que par exemple dans une zone donnée ça convertit mieux, donc il va citer cette zone ou bien peut-être de telle heure à telle heure. Et donc il va vous aider en fait dans, dans le paramétrage de votre compte. Vous n'avez plus besoin d'agence en fait, c'est lui qui s'en occupe. C'est ça, oui. Et donc, il y a une promesse. Quelle est la promesse bah, est, euh, Ici, on voit la recommandation. Euh, mettez votre CPA à 5 centimes, alors que nos campagnes tournait déjà à 4 centimes. Donc ça peut Juste pour le CPA, ceux qui ne savent pas, le CPA, c'est vous précisez, parce qu'on a eu la question tout à l'heure, vous précisez un budget. Donc, vous mettez 40 euros pour votre coût par acquisition. Et normalement, il doit atteindre ces 40 euros-là. D'accord Et donc, là, le CPA, c'est 5 cents. Et donc, en fait, ici, on le voit. En gros, on arrive à 4 cents avec cette campagne. De manière manuelle, je veux dire. Avec et donc le CPC, lui, il nous conseillait euh, en fait de faire 5 centimes. Voilà. Bon, ça montre aussi que Google ne connaît pas toujours les objectifs d'une de, campagne derrière. Sur cet exemple précis, on a une campagne de branding, donc on sait qu'on a un CPC très 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 bas et des coûts par conversion forcément qui sont très bas aussi. Et c'est quelque chose que qu'on doit pouvoir contrôler dans ce sens-là. On voit aussi, et là, le, le petit bonus que j'allais rajouter à la fin, c'est il ne nous recommande pas de choisir une autre stratégie d'enchère que celle qu'il nous recommande. Donc, il y a vraiment tout le temps ce rappel un petit peu au marteau qui, qui tape sur le clou et qui nous oblige à, à, faire, à faire ça. Et donc, finalement, on s'est dit, bon, on va le tester. Donc, on a fait deux tests différents un A/B testing classique sur 30 jours et un un peu plus complexe et un peu plus long sur une période de six mois. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et donc, sur les 30 jours, en fait, on va voir. Donc, ici, vous avez la version automatisée et puis chaque fois en dessous, manuel entre guillemets et ainsi de suite. Et donc en fait, on voit que le taux d'attraction va être quand même relativement plus élevé. Donc le CPA, ça peut fonctionner. Vous allez avoir un nombre de conversions qui va être également plus élevé. Plus Comme euh, mon collègue le disait, c'était un A/B testing. Les budgets étaient les mêmes, et on va voir qu'en fait, euh, les dépenses vont pas forcément se faire totalement. Mais par contre, le coût par conversion baisse, donc ça reste intéressant. À, euh, la, la chose qu'il faut dire en plus, c'est que c'est principalement sur les search que ça fonctionne bien. Donc les deux campagnes du haut. Par contre, sur le display, bah, là, c'est un peu moins euh, pertinent. En fait, vous avez un taux de conversion, un taux d'interaction, qui est lui plus bas, et le nombre de conversions, bah, voilà, c'est pas fou non plus. Bah oui, parce qu'en fait, quand on est sur le CPA cible, Google, il va viser uniquement un seul objectif, c'est d'avoir le plus de conversions possible, certes, mais euh, surtout de les faire au moins cher possible. Et donc, ça implique derrière que euh, souvent, les campagnes ne vont pas dépenser tout le budget qui leur a alloué. Euh, ça peut être un problème pour le client qui dit "J'ai un budget 4 000 euros, vous n'avez dépensé que 1 000." Et en plus, le nombre de conversions est plus ou moins équivalent à ce que vous aviez avant, le nombre absolu, je parle. Donc euh, voilà, il faut toujours se dire un petit peu bah, quel, quel est l'objectif de notre campagne. Est-ce qu'on veut faire de l'acquisition Est-ce qu'on veut faire du trafic Est-ce qu'on veut réellement convertir Ou est-ce qu'on veut que la conversion soit pas chère C'est vraiment euh, ça qu'il faut se poser comme question. Et alors c'est amusant parce que Google lui, il, il, il nous le propose sur toutes nos campagnes sans discernement. Donc. Euh, c'est ça. Et donc sur les six mois, bah, les constats sont plus ou moins les mêmes. Euh, donc du coup, le taux de conversion va être euh, un peu différent. Mais voilà, il faut rester attentif et par rapport à la dépense, effectivement, on peut peut-être passer à la slide suivante. Yes. On va voir ça ici, c'est hyper intéressant. C'est sur six mois, en fait, avec un CPA, c'est très variable. Donc, en gros, peut-être qu'au début, quand vous allez l'activer, si vous êtes sur un compte qui a beaucoup d'expérience, ça va bien fonctionner. Mais finalement, vous allez avoir un système un peu de montagne russe où ça monte et ça descend. Donc, on ne peut pas juste se contenter en fait, d'activer le CPA. De temps en temps, ça va fonctionner, mais il faut toujours, toujours contrôler avec un humain en fait, qui va vérifier finalement que ce taux de conversion, il n'est pas en train de s'effondrer. Voilà, c'est ça. Donc ça résume ce qu'on vient de, de dire. Hein. Donc euh, il faut un nombre de conversions suffisamment élevé. On parle, enfin, Google parle en général de 30 à 50 conversions par mois. Tout dépend évidemment de ce que c'est la conversion derrière. Si votre conversion, c'est juste euh, une, la visite d'une certaine page, ça va peut-être être plus facile d'obtenir comme conversion, mais est-ce que derrière, ça va intéresser le client Ça va vous de voir. Donc tester, contrôler, adapter, c'est vraiment quelque chose qui est... À contrôler, contrairement à ce qui nous dit que l'automatisation fonctionne. Ce n'est pas encore tout à fait le cas selon nous. Alors, une autre recommandation, on en parlait un peu déjà tout à l'heure, donc l'augmentation des budgets. Donc, ça, on va voir ce que ça donne. Euh, mais donc, ici, Google, c'est dans le scoring de 100%, ça représente un dixième. Donc, si vous augmentez le budget, il y a un dixième de votre score qui va être bon pour optimiser votre compte, c'est ce qu'il nous annonce. Oui, c'est ça. Donc, en gros, quand Google euh, détecte qu'une campagne est limitée par le budget, donc on dépense tout le budget euh, quotidien avant la fin de la journée. Euh, ils considèrent que c'est un problème. Et donc, euh, comment résoudre le problème La première chose qui met en avant, c'est évidemment augmenter vos budgets. Mais vous euh, savez, nous, on a une, une agence qui travaille avec un panel de clients assez variés et beaucoup d'entre eux ont des budgets très limités et c'est difficile d'aller au-delà. Mais évidemment, on peut penser que c'est dans l'intérêt de Google de juste faire augmenter le prix de, de toutes les campagnes. Il euh, y a encore d'autres questions derrière, mais on ne va pas aller trop loin. Donc, en gros, voilà ce que Google décrit comme une campagne limitée par le budget. C'est quand on est inférieur au budget quotidien moyen recommandé. Et derrière, il faut s'assurer que le budget est suffisant pour toute la journée. Et selon lui, euh, en augmentant le budget, on profite d'une meilleure exposition parce qu'on est présent potentiellement toute la journée. Il va falloir vérifier si cette exposition, cette meilleure exposition est valable en fait et si c'était vraiment le bon moment pour apparaître. Et donc ici, on a justement une proposition, on est sur une campagne qui dépensait 10 euros par jour, il nous propose d'en mettre 35, et on voit que le nombre de clics va augmenter, mais le CPC aussi. Donc vous devez vous poser la question de savoir si c'est vraiment optimal de, faire, de mettre plus de budget sur cette campagne-là, bien précisément. D'autant plus qu'on voit ici qu'on était à quelque chose, de, on était juste un petit peu moins de, de 40 clics avec 10 euros, et pour obtenir, je crois que c'est 100 ou 110 ou 100 clics ici, pour obtenir 100 clics... On doit euh, plus que tripler le budget euh, de la campagne, donc est aussi avoir est-ce que ça correspond à ce qu'on veut faire. Et donc dans cet exemple-ci, en fait, on est sur un compte qui avait des conversions bien paramétrées, et donc ici Google va nous dire carrément, que vous allez faire plus de conversions euh, et le coût de, par conversion va baisser. Donc ici la promesse est déjà un peu plus intéressante. Elle est un petit peu plus intéressante, mais elle pourrait ne pas suffire. Hein. Tout, tout dépend vraiment de, à nouveau de, des objectifs euh, précis euh, du marketing. Et selon nous, il y a aussi des tas d'autres manières de, de corriger le problème d'un budget limité. Euh, il y a évidemment le ciblage. Donc autant la géographie que le ciblage des audiences, des thèmes ou euh, des emplacements. C'est ça qui va vous permettre réellement de dépenser le budget euh, à bon escient et de ne pas tout dépenser avant 10 heures du matin, par exemple. Oui, donc c'est ça. Et en fait, on va regarder effectivement avec le calendrier de diffusion les heures où ça performe le mieux et on va garder que ces heures-là ou ces jours-là d'ailleurs, parce qu'en fonction du business, ça peut affluer. Et on va également optimiser les mots-clés. C'est juste la base, en fait. Vérifier si vos mots-clés performent correctement, s'il n'y en a pas certains à désactiver ou si vous ne pouvez pas en rajouter. C'est ça. Alors, aussi, nous, c'est une, une méthode qu'on utilise qui est assez répandue. Euh, on a les, ce qu'on appelle les semaines fortes ou faibles. Ça peut être des mois ou ça peut être des jours en fonction de l'activité dans laquelle on se trouve. Euh, et donc, on va déterminer nous-mêmes les périodes où il est plus euh, intéressant de dépenser plus de budget et d'autres où on va en dépenser moins pour, au final, avoir un budget annuel qui reste stable et maîtrisé. Et enfin, on a les campagnes OK Conversion. Donc le but, en fait, c'est chaque fois que vous avez une conversion, un mot-clé qui convertit, on va sortir ce mot-clé, le mettre dans une campagne bien spécifique. Et là, on sera d'accord d'augmenter le budget. Parce qu'on sait que c'est des mots-clés qui ont déjà performé dans le passé, il y a un historique, et donc on est prêt à mettre plus d'argent, mais on ne fait pas ça sur n'importe quel mot-clé. C'est ça, et ça nous permet alors d'avoir deux types de campagnes, une qui a déjà converti et une qui ne convertit pas encore. Euh, on peut déterminer alors derrière des, des autres stratégies d'enchères, ou on peut euh, développer une nouvelle approche avec des nouvelles annonces, etc. etc. Donc ça vraiment, permet vraiment de, allez, de, de splitter nos campagnes, nous permet d'allouer les budgets aux bons endroits au bon moment. On pourrait même aller jusqu'à l'extrême et avoir une campagne pour un mot-clé. Il y en a qui font comme ça. Et donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de campagnes à gérer. Alors, le troisième point, ce sont les sites partenaires sur le réseau Google. Donc, là, l'objectif, c'est de se dire OK, euh, comment ça fonctionne enfin, Est-ce que ça fonctionne Mais donc, par défaut, en fait, quand vous créez une campagne, il va automatiquement cocher, en fait, inclure les partenaires du réseau de recherche. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est le réseau de recherche. Oui, alors, c'est amusant parce que si on le décoche, il nous dit attention, vous ne faites pas comme tout le monde. La plupart des annonceurs utilisent cette option-là, donc si vous ne le faites pas, ça pourrait être un problème. On va regarder un petit peu si c'est si le cas ou pas. Donc une promesse, en fait, c'est toucher d'autres clients euh, sur le site partenaire et un trafic supplémentaire. Voilà. Il nous promet carrément un trafic supplémentaire, qui est certes un peu vrai, mais on va voir que c'est pas forcément un bon escient. Donc ici, de... c'est vraiment, c'est à ça que ça ressemble le réseau de partenaires, en fait. Donc c'est un site de presse bien connu qui utilise en fait le moteur de Google pour répondre et qui place de la publicité à cet endroit-là. Alors, ici, on a fait une recherche sur Liège, donc notre ville. Et comme les résultats qu'on peut avoir, en fait, ça va être plutôt sur le matériel, le, matériel, le Liège, et sur les hôtels qu'on peut trouver. Le problème, c'est que. Bah oui, si on est sur un site d'actualité et qu'on on tape Liège parce que peut-être il s'est passé quelque chose de grave là-bas ou de très sérieux, ce n'est peut-être pas le moment pour aller acheter du Liège ou réserver un hôtel. Et donc, ça se traduit dans les chiffres, en fait. Il suffit de regarder un petit peu les deux types de réseaux, donc la recherche Google Pure et les partenaires. On voit que le taux d'interaction ben, est dramatiquement différent, euh, qu'on a un coût moyen qui, est, qui va augmenter, pas loin du double. Euh, on convertit, mais quasiment pas. D'ailleurs, je suis même étonné qu'on ait obtenu 5 conversions, c'est déjà vraiment bien, euh, avec un taux de conversion évidemment moins, moins intéressant et un coût par conversion qui est du, du triple. Donc clairement, si vous avez des campagnes qui sont là pour convertir, c'est la plupart du temps le cas, c'est ce qu'on nous demande, euh, ben, ce n'est pas le bon endroit où apparaître. Et on va voir comment on fait pour désactiver ça. Donc une des possibilités, en fait, c'est d'aller ouvrir chaque campagne et aller vérifier dans les paramètres si vous avez ce, ce, cette option euh, activée. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Ben oui, et donc pour gagner du temps, ben, on utilise quand même des outils d'automatisation. Ici, l'exemple euh, typique, c'est Data Studio. En fait, on s'en sert comme un outil de, de contrôle euh, personnalisé de nos campagnes. Donc on, on peut vraiment aller afficher une option spécifique pour toutes les campagnes de tous nos comptes en même temps. Et donc on peut, ici, dans cet exemple-ci, on peut... Très rapidement savoir où l'option est encore cochée, par exemple si on récupère des, des comptes euh, qui viennent, euh, viennent d'anciens clients ou d'anciennes agences, ben là on peut rapidement euh, le voir, quoi. Voilà. Alors la quatrième partie c'est les mots clés et donc là, ouais les mots clés c'est quelque chose de très important en SEA, en SEO aussi d'ailleurs. Euh, le mieux c'est peut-être de demander avant d'avancer euh, ben, comment est-ce que Google décrit euh, les mots clés. On va vous laisser voir un petit peu qu'est-ce qu qu'il nous promet. La sélection de mots-clés pertinents et de haute qualité pour votre campagne publicitaire devrait vous aider à toucher les clients de votre choix quand vous le souhaitez. Voilà, Donc ici, on peut choisir le client et il convertit quand on le décide. C'est vraiment ce qu'il nous promet avec l'utilisation des mots-clés ici. Et derrière, on va un petit peu voir comment il nous soutient dans la création et l'utilisation de listes de mots-clés. Alors, il y en a une, c'est euh, la fameuse version requête large. Donc là, on parle de type de correspondance. Google met très en avant les requêtes larges en disant que ça nous permet d'augmenter notre nombre de conversions. Donc là, il s'engage vraiment à beaucoup. Et on voit dans les chiffres, euh, je pense que beaucoup d'entre nous ici le savent déjà, que les requêtes larges nous permettent de faire plus de visibilité, certes, mais euh, en général, les taux de conversion sont beaucoup moindres. Donc ça a utilisé, mais vraiment avec parcimonie, selon nous. Et, euh, D'autres tests qu'on a fait, donc on a été voir les recommandations que Google nous fait au niveau des mots clés. Là, on n'est même pas dans le planificateur de mots clés, on est euh, toujours dans les recommandations euh, sur Google Ads. Et donc, il analyse euh, notre client. Ici, c'est un client euh, qui fait des abris pour piscine. Et euh, voici les mots clés qu'il va nous proposer euh, de, de travailler. Donc, les spas, les, les constructeurs de piscines, les volets roulants, mais rien à voir avec la piscine. Et les piscines tubulaires qui sont les piscines gonflables. Donc on voit ici que si on applique simplement les, les conseils de Google, ben on va se retrouver avec une foule de mots-clés qui ne sont pas du tout pertinents par rapport à notre approche. On voit que c'est quelque chose qui est encore vraiment per perfectible. Et donc là, les conseils, évidemment, on revient justement un peu plus sur des techniques SEO, c'est de faire des vraies analyses sémantiques avec une personne qui filtre, en fait. On ne peut pas juste avoir un outil qui nous donne tous les mots-clés et Google ne sait pas le faire non plus, en fait. Et donc, du coup, il faut le faire manuellement avec un humain qui contrôle tout ça. Voilà, et c'est là qu'on voit le lien direct qu'il y a avec le référencement naturel ou pour travailler le référencement naturel, on connaît les analyses sémantiques, c'est quelque chose d'assez fréquent. Euh, on utilise aussi le planificateur d'un mots-clés de Google. Il peut être très utile pour nous fournir des grosses masses de mots-clés quand on veut travailler la longue traîne par exemple. Euh, mais derrière, il faut quand même pouvoir prendre le temps et faire l'effort d'analyser chacune des listes et d'aller euh, soit changer le type de correspondance, soit refuser euh, toute une série de mots-clés qui sont un peu hors sujet. Une autre, euh, une, un autre moyen de le faire aussi pour mieux utiliser les mots-clés, euh, c'est d'avoir des campagnes différentes en fonction des thèmes de mots-clés, évidemment. Ici, on travaille avec un assureur qui fait des produits différents pour les propriétaires, les nouveaux arrivants dans le pays ou euh, les, les personnes qui sont plutôt locataires de biens. Donc, euh, on travaille des mots-clés différents avec des objectifs qu'on va un petit peu euh, séparer, et des budgets qui sont différents aussi et euh, une analyse qui est un petit peu plus poussée. Vous devez surtout pas hésiter en fait à travailler avec plein de campagnes, d'avoir vraiment beaucoup de campagnes avec des mots-clés ciblés. Vous pourriez le faire dans des groupes d'annonces. Juste une chose, c'est qu'au niveau de vos On budgets, ce sera beaucoup plus difficile à contrôler. Et donc ouais. voilà, vous pouvez maintenant ranger les campagnes par groupe de campagnes. Ça permet d'avoir des, des comptes un peu plus simples à lire. Mais donc il y a plein de possibilités. Il ne faut pas hésiter à multiplier les campagnes. Voilà. Alors la, la cinquième chose qu'on va voir ensemble, c'est le critère de ciblage expansion. C'est également quelque chose qui peut s'activer automatiquement ou se mettre par défaut quand vous créez une campagne. L'idée, en fait, c'est que vous allez choisir des segments que vous ciblez avec vos campagnes, notamment display, ou alors avec des campagnes search si vous allez un peu plus loin. Et donc, par exemple, ici, on peut avoir un client qui va regarder pour cibler pardon les gens qui cherchent des promotions sur les baskets. Eh bien, Google va considérer qu'une partie de votre audience se trouve également dans un autre segment et il va, en fait, avec son élargissement, cibler également cette autre audience. Voilà, il va aller chercher des audiences similaires, hein, c'est vraiment ça. Enfin, les audiences qui s'appellent segment maintenant, je pense que vous avez remarqué ça depuis quelques jours, quelques semaines. Alors, la promesse de Google, c'est clairement là, c'est la totale. On peut avoir du trafic de grande quantité et un plus grand nombre de conversions, ainsi même que plus grande visibilité. On va voir si ça se confirme véritablement en utilisant les expansions automatiques. Et Donc ici, voici des résultats. Ça va peut-être être un peu petit d'ailleurs pour, pour vous. Ah, grandi, on quoi. les a un peu plus grands. Euh, et donc en fait ici, on voit vraiment que euh, bah, le taux d'interaction va être vraiment pas le même. Le taux de conversion va être fort différent. Et pourtant, on a une grosse partie du budget qui peut partir. Ici, on a quand même 3000 euros qui sont partis automatiquement dans ces segments sans qu'on ait rien demandé. Ça. Et donc, ouais. Et le problème euh, en tant qu'analyste qu'on est, c'est qu'on voit qu'il y a un quart du budget qui est parti sur une série d'audiences dont on ne connaît pas la teneur ni euh, les tenants et aboutissants. C'est un peu black box en fait. Il ne nous dit pas ce que c'est les, euh, les audiences d'expansion. En réalité, nous, quand on l'interprète un petit peu plus loin, on se rend compte que Google utilise cette technique-là pour justement ajouter des datas à leurs différentes audiences et peut-être améliorer les performances de leurs audiences de manière générale et de créer des nouvelles également. Et alors, juste une chose, pour pouvoir voir ces résultats, vous devez absolument aller dans la segmentation. Avant, dès que ça s'appliquait automatiquement, eh ils vous l'affichaient ici et on se posait la question de savoir est-ce que ça fonctionne et c'est quoi ce truc. Au début, on était un peu étonnés. Mais donc maintenant, c'est un peu caché en fait et vous devez aller activer cette option-là pour voir les résultats. Alors, il, bah oui, nos conseils. Euh, évidemment, c'est ce qu'on a répété plusieurs fois. Tout dépend de vos objectifs, de votre stratégie. En fait, l'expansion, elle peut être utile pour euh, des campagnes de remarketing, notamment, euh, principalement pour des sites où les conversions peuvent être multiples. Donc, on ne parle pas ici d'acheter une maison ou, ou ce genre de choses, mais vraiment des achats qu'on peut répéter euh, régulièrement. Et donc, ici, utiliser les listes de remarketing et les listes similaires aux personnes qui sont dans nos listes euh, de, de remarketing, nos audiences analytics, en fait. Euh, là, ça peut être efficace, mais il faut toujours analyser les résultats, il y a toujours un contrôle humain qui doit être fait euh, et désactiver si nécessaire. À nouveau, le petit truc amusant, c'est que euh, quand on le désactive, il nous prévient que euh, bah, il faudrait peut-être quand même l'activer, euh, c'est mieux pour lui. Et donc, le sixième point, les suggestions d'annonces, donc là, c'est euh, des trucs phares. En fait, Google peut vous proposer des annonces, il va même, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'email, les appliquer automatiquement, et donc. Ouais. Euh, ça peut aller très très loin. Merci. On peut peut-être écouter ce que Google dit d'ailleurs sur ce point. Le problème du copie et donc ici euh, voici la solution de Google. Les suggestions d'annonces sont des variantes de vos annonces textuelles existantes qui peuvent améliorer les performances de vos campagnes sur le réseau de recherche. Alors la grande question c'est est-ce que ça va faire plus de conversions ou est-ce que ça va faire plus de clics On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux et donc Google va regarder ça en fait et se dire bah tiens. Tel titre a mieux fonctionné, a fait plus de clics pour lui, c'est ça qu'il cherche. Et donc, il va vous le placer automatiquement dans une annonce, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, les avantages, en tout cas la promesse de Google, c'est qu'on va gagner du temps, c'est sûr. Écrire du copy, ce n'est pas facile, c'est un vrai métier. Et, euh, et, et tout le monde n'a pas l'occasion de le faire, surtout les, les annonceurs qui, sont, euh, qui, qui annoncent eux-mêmes, qui ne passent pas par une agence, je veux dire. Euh, L'optimisation du contenu publicitaire, bah, c'est un petit peu un mot valise, hein. ça contient tout ce qu'on veut. Euh, un mettre dedans donc l'optimisation c'est oui ok on fait on fait mieux quoi euh, et en dessous c'est les annonces textuelles qui pourraient être améliorées donc là ils utilisent plutôt le, le conditionnel c'est assez amusant de d'analyser un peu comment il, comment ils nous parlent et donc finalement bah, si on regarde un peu quelles sont les annonces automatisées on en a quelques exemples ici bah, soit sur la colonne de gauche on voit pas clairement en fait ce qui va être utilisé comme titre euh, c'est pas vraiment précisé c'est pas vraiment montré donc on ne sait pas si ça marche ou pas et sur la colonne de droite, c'est un client en fait qui faisait des promotions, sauf que les promotions, elles étaient pas actives à ce moment-là. Et Google, lui, carrément a pris parce que ça marchait bien les promos, ça fonctionne toujours sur Google. Et donc il a repris des titres en fait et il les a fusionnés, alors que finalement ces campagnes-là, fin, ces annonces-là, elles ont plus de raison d'être en fait. C'est ça, c'est des promotions qui sont, qui ont été successives. et Là, il les balance toutes en même temps, alors que les codes promos ne sont même plus euh, valables. Donc, mon conseil, bah. Comme je l'ai dit, copywriter, c'est un vrai métier. Donc, euh, nous, on fait toujours confiance à des copywriters professionnels. On fait l'effort d'aller véritablement s'adresser à l'audience comme si on lui parlait avec le ton qu'il faut, avec l'approche qu'il faut, avec un côté humain. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui fait la différence quand votre titre et votre méta euh, s'affichent sur un SERP. Et donc, ça va vous permettre justement en fait, d'avoir un style aussi dans vos annonces. Les annonces, c'est pas juste là pour faire du clic, en fait, mais ça peut aussi, pour votre marketing, aider soutenir un peu. Euh, le message que vous essayez de faire passer. Ici, c'est un de nos clients qui s'appelle Spratchies, donc ça veut dire écraser en wallon. Euh, et donc, du coup, bah, clairement, il y a moyen de faire des trucs un peu chouettes. Et on voit, on utilise des choses, c'est un peu petit de nouveau, mais viens découvrir ton resto-pref. Euh, euh, et ne, donc, bah, euh... ne bave pas sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, c'est des choses que Google n'osera jamais euh, euh, écrire tout seul. Mais, Exactement. Euh, mais voilà, c'est là qu'on va faire la différence euh, réellement. Quoi. Et donc, en conclusion, en fait, quel est l'intérêt de Google c'est quelque chose qu'il faut tout le temps se poser en fait, quand il vous propose un truc automatique ou un nouveau conseil, une nouvelle technologie, etc. Etc. Euh, c'est vraiment de se vérifier et de réfléchir, ok, c'est quoi son intérêt euh, pour cette proposition bah Oui, nous ben, on, on l'interprète, on décide de répondre à sa place. Hein. Donc lui, c'est optimiser ses bénéfices, à nouveau ce, ce joli mot, optimiser. Euh, et donc pour ce faire, bah, évidemment, c'est plus de clics ou plus de résultats, mais on sait que la plupart des, des annonceurs utilisent une stratégie par clic. Euh, Ensuite, nourrir les machines, le machine learning, ils ont besoin de data, donc on en parlait tout à l'heure avec les segments d'audience, c'est vraiment quelque chose, il va, il va pousser pour qu'on l'utilise, simplement pour qu'il améliore sa propre analyse euh, automatisée et derrière peut-être fournir un jour un service qui sera véritablement efficace. C'est vraiment ce qu'ils visent, en fait. Hein, c'est un clé sur porte. Le but, c'est pour Google de ne pas forcément toucher avec les grosses sociétés. Elles ont des gros budgets. Mais finalement, si vous prenez l'ensemble des PME, euh, des petits euh, artisans, par exemple, bah, eux, ils ont aussi plein d'argent. Ils aimeraient bien avoir plus de clients. Et finalement, bah, c'est plus facile de leur dire fait comme ci ou fait comme ça, parce qu'il y connaît un peu moins. Il va un peu moins avoir le temps de se renseigner. Et donc, du ça. coup, il bah, y a une vraie manne financière, en fait, pour Google à cet endroit-là. Oui, c'est vraiment la stratégie. Et d'ailleurs, euh, on n'est pas toujours les, les préférés de Google, nous, agence, parce qu'on se place entre le client et, euh, et Google lui-même. Et donc, on essaye quelque part de tirer la couverture vers le client, alors que Google la tire plutôt vers lui. Donc, on vous, on vous avait remis juste avant le, ouais. le, le screen en fait, de cet email. Là. Soyez vraiment hyper attentifs aux automatisations et aux choses qui se mettent toutes seules euh, sur votre compte. C'est ça. Donc, voilà, toute la question de l'automatisation, ben, selon nous, tout n'est pas ajouté, évidemment. On l'a montré, il y a des exemples. Où on voit que ça fonctionne. Euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, le machine learning, l'automatisation fonctionne, mais il faut toujours tester, guider, ajuster. On peut s'aider avec des outils externes. J'ai mentionné euh, Data Studio, mais on en utilise plein d'autres. Google Sheet nous aide à automatiser pas mal de choses également. Euh, on utilise des éditeurs évidemment pour pousser énormément de contenu en même temps. Euh, et euh, tout ça, en fait, c'est l'objectif, en fait, de notre approche euh, qu'on met en avant ici, c'est que toutes les toutes les tâches à valeur ajoutée réellement doivent être effectués ou au moins supervisées, euh, contrôlées par un humain. On ne peut pas juste faire confiance à la machine en disant OK, vas-y, que le robot va, réf va réfléchir comme un robot et il va juste appliquer une méthode qui lui a été assignée sans euh, contextualiser. Donc voilà. Et voilà, Don't stress Google, <laughs> c'est-à-dire il euh, ne faut pas prendre au mot tout ce qu'il va nous dire, quoi. Et merci. Alors il y a la question mug aussi. Pour la petite, euh, la petite référence. Prie. Alors, citer deux manières de résoudre le problème d'un budget limité. Ouais. Voilà. Bien joué. Et on en a encore cité que 6 ou 7, mais en réalité, il y en a plus d'une vingtaine de manières de, de résoudre ce souci-là. Bien joué. Tu as gagné un petit mot. Du coup, si vous avez des questions... Tout à l'heure, tu proposais d'isoler les mots-clés qui convertissent dans des campagnes spécifiques. Euh, Est-ce que tu réinitialises Du coup, on est d'accord que ça réinitialise les performances du mot-clé si on le sort de la campagne C'est-à-dire que non, en fait, ce qu'on fait réellement, c'est qu'on va aller dupliquer une campagne et donc tous les mots-clés qui n'ont pas encore euh, converti, c'est ceux-là réellement ah, qu'on va sortir. Voilà et ceux qui ont déjà converti on garde la data et on garde en la même fait, campagne. Tu ouais. juste le mot clé qui convertit et tu sors ouais. les mots clés. On fait une ouais. campagne ouais, test ça, en ouais. fait qu'on sépare comme ça on peut avoir des budgets séparés mais de toute façon le compte a son historique également. Hein. Donc il ne faut pas juste penser à l'historique de la campagne. Ouais. Une autre question Merci. Du coup, merci pour la conf. Est-ce que euh, moi je suis au contact quasi quotidien avec euh, les conseillers Google qui me conseille assez souvent d'optimiser, okay. d'avoir un taux d'optimisation à 90-100%. Est-ce oui. que le fait d'avoir un taux d'optimisation à, so à 70%, par exemple, si on n'a pas accepté euh, l'augmentation du budget ou autre, ça va impacter finalement la qualité de nos campagnes ben Là, réellement, euh, je vais peut-être les mots, ah, mais c'est un petit peu bullshit. <laughs> Donc, le taux d'optimisation, disons-le clairement, c'est en fait la Google qui essaye de faire du, euh, comment on dit, la, la gamification avec Google Ads. Donc, il va nous donner un score pour nous dire si vous obtenez le meilleur score, vous serez le meilleur au niveau de vos campagnes. On l'a vu que ce n'était pas tout à fait vrai. Augmenter le budget, ça donne déjà 10%. Donc, ça veut dire que les gros annonceurs, ils auront toujours un compte mieux optimisé que le vôtre. Ce qui n'est pas vrai, en fait, dans, le, dans les faits, puisque finalement, on essaie de se positionner à des bons moments, à des enchères qui restent relativement abordables, etc. Donc,. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu que c'est très difficile, en fait, et c'est un petit peu arbitraire de donner un score à certains paramètres euh, spécifiques. D'autant plus que quand on refuse des recommandations, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, on donne la raison pour laquelle on ne le fait pas, notamment avec l'augmentation du budget, si on dit mon client n'a pas le budget supplémentaire pour, pour cette campagne-là. La semaine d'après, la même recommandation revient avec un nouveau, on perd 10%. Mais donc ça veut dire qu'en fait, si vous ignorez les recommandations, votre scoring va quand même augmenter. Donc en fait, il suffit d'ignorer les conseils de Google pour avoir un scoring qui est plus élevé. Et ce sera juste pour faire plaisir soit au consultant, soit à votre client, en fait, qui va vous poser la question pourquoi mon score n'est pas à 100% C'est aussi con que ça, en fait. Il faut juste ignorer. Cela dit, on n'est pas en train de dire que les recommandations sont toutes mauvaises. Il y en a évidemment qui sont intéressantes. Il y en a qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et nous donner des idées sur d'autres choses à développer. Euh, mais euh, moi régulièrement, quand je passe dans les comptes, je regarde quand même quelles sont les recommandations et de temps en temps, je prends celles que j'estime euh, pertinentes et toutes les autres, je ne euh, les... vais même plus les supprimer, en fait, je les laisse et euh, tant pis pour le taux d'optimisation. On ne se base pas là-dessus.